Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Jésus s'écarta un peu et tomba la face contre terre en faisant cette prière. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi. Cependant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus tombe sous la croix et personne ne se penche pour l'aider à se relever. Lui qui a redressé la femme courbée et reste écrasé sous le poids de la croix. Lui qui a relevé le paralytique reste à terre sans une main secourable. Il en a sauvé d'autres, qu'il se relève lui-même. Seigneur, nous te prions pour ceux qui tombent sur le chemin de la vie, ceux qui sont écrasés par l'épreuve de la maladie, du deuil, des difficultés familiales ou financières. Quand la charge est trop lourde, rappelle-nous que nous pouvons toujours crier vers toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Fais paraître ton